Hola todos, j'espère que vous allez toujours bien. Oui, on est le même jour, j'ai juste changé mes boucles d'oreilles, mais comme là dans mon immeuble c'est calme, je me dis que c'est le moment ou jamais pour tourner ma seconde vidéo, parce que peut-être que je n'aurai plus cette chance. Bref, l'affaire que je vous propose aujourd'hui, bah à mon sens, c'est l'une des affaires criminelles les plus intéressantes de France. Vraiment, en fait, elle regroupe deux choses que j'aime beaucoup, à savoir faits divers et histoire. J'adore l'histoire. Alors là, je peux vous dire que j'ai été servie. Et cette affaire, en fait, c'est un double cold case qui, à mon sens, bah, serait digne d'un film. Tellement c'est passionnant, en fait. Et ce que j'ai trouvé très étonnant, bah, c'est qu'il y a pléthore d'articles relatant cette affaire alors qu'elle date d'il y a 100 ans. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, hein, pour certains, quand j'ai dit que ça date d'il y a 100 ans. Parce que je sais que certains n'aiment pas les affaires quand elles sont trop anciennes. Mais vraiment, accrochez-vous. Je vous jure, je vous le promets, que cette histoire, elle est trop intéressante. Et on va commencer sans transition, puisqu'il n'y en a pas. Là aussi, on va être limité au niveau des photos, donc on va tous faire marcher notre imagination. Ce que je vous propose, si ça vous tente, c'est de fermer les yeux et de vous laisser transporter en 1922 dans la lande bretonne de Goassalulu. On est le 6 avril 1922 dans un hameau de Saint-Rivoal. C'est un petit coin de terre assez isolé où les gens vivent quasi essentiellement de la récolte de leurs terres. Donc autant vous dire que bah, la vie n'est pas facile, surtout quand on a des enfants à nourrir. Et c'est le cas de la famille Picard. François et Françoise sont des fermiers, parents de 9 enfants. Aujourd'hui, on va s'intéresser à leur avant-dernière, Pauline, âgée de 2 ans et demi. Ce 6 avril, tandis que les parents travaillent au champ, les enfants se rendent au pré afin de faire paître leurs bêtes. Il fait beau, c'est une belle journée, il fait doux. Les enfants jouent tout en gardant un œil sur leurs bestiaux. Peu après 16 heures, la petite Pauline, âgée de 2 ans et demi, s'éloigne de l'endroit où se trouvent ses frères et ses sœurs. Elle va à l'opposé de l'endroit où il se trouve, donc à l'opposé de là où se situe la ferme. Ses frères et ses sœurs la voient du coin de l'œil partir, mais ils n'y prêtent pas trop attention. À cette époque, les mœurs étaient différentes, hein, de celles d'aujourd'hui. Les enfants étaient beaucoup plus matures, beaucoup plus débrouillards, bah, compte tenu de la difficulté de la vie. Et puis, on est dans un hameau isolé, tranquille. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, de voir la petite s'éloigner. Et pour être tout à fait honnête, ils s'en foutent. Voilà, chacun joue à ses jeux, chacun s'occupe comme il peut. En fin d'après-midi, les enfants retournent à la ferme avec les bêtes. Et en arrivant, bah, ils constatent que Pauline ne se trouve pas à la ferme. Ils l'ont vu s'éloigner plus tôt dans l'après-midi. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas prêté attention. Et il pensait qu'à un moment donné, la petite serait rentrée à la ferme. Là, en arrivant, pas de trace de Pauline. Leurs parents leur demandent alors où se trouve leur petite sœur. Et là, les enfants, conscients de la bêtise qu'ils ont faite, mentent à leurs parents. Ils leur disent qu'ils l'ont vue rentrer en fin d'après-midi en direction de la ferme. Les parents Picard sont complètement paniqués. Il commence à faire nuit, il fait froid, l'endroit est vaste. Il y a des marécages à certains endroits, des animaux sauvages à d'autres. Là, ils comprennent qu'il est peut-être arrivé quelque chose à leur fillette. Ils demandent à leurs voisins les plus proches de les aider à rechercher leur fille, et pendant plusieurs heures, ils vont fouiller la lande, tandis que le frère de Monsieur Picard part avertir la gendarmerie. Pendant plusieurs jours, les gendarmes des communes voisines vont lancer des recherches débattues, aucune trace de Pauline. Et dès le 9 avril, les journaux publient un avis de disparition en précisant son âge, son physique et la tenue qu'elle portait. Et à Saint-Rivoal, tout le monde a un avis. Certains pensent qu'elle s'est perdue dans la lande et qu'elle a été mangée par des bêtes sauvages, tandis que d'autres disent que non, elle a certainement été enlevée. Enlevée mais par qui? Bah, ils soupçonnent un raccommodeur de parapluie d'une cinquantaine d'années qui vient tout juste de sortir de prison et qui a déjeuné chez les Picards le 6 avril justement, un certain Christophe Quéremont. Un avis de recherche est immédiatement lancé et le 12 avril, les gendarmes mettent la main sur lui dans une commune proche de Saint-Rivoal et procèdent à son arrestation. Durant son interrogatoire, Christophe Quéremont nie être impliqué dans la disparition de Pauline. C'est vrai, il a mangé chez les Picards le 6 avril. C'est vrai, il connaît bien le secteur pour avoir déjà travaillé chez certains fermiers et même chez les Picards par le passé, en tant que travailleur journalier, mais il n'a rien fait à cet enfant. Les gendarmes, eux, pensent qu'il aurait pu la revendre à une famille plus aisée, ou qu'il aurait pu s'en servir à des fins de mendicité, voire pire. Mais le souci, c'est que toutes les personnes interrogées à Saint-Rivoal et dans les communes voisines assurent ne pas avoir vu Christophe Quéremont avec la petite. D'ailleurs, au moment de la disparition, il a un alibi. Les jours qui suivent, les battues continuent, toujours aucune trace de Pauline.
Aucun témoignage, aucune piste, rien du tout. Donc là, les gens se disent que peut-être que la petite aurait effectivement mangée par des bêtes. Mais même pas 20 jours plus tard, soit le 25 avril, un événement anodin pour l'époque relance l'affaire. On est à Cherbourg, en Normandie, à environ 400 km de Saint-Rivoil. Il est aux alentours de 8h du matin. Une femme descend les escaliers de son immeuble quand elle découvre au bas des escaliers une petite fille. La fillette est blonde, elle a les yeux bleus, elle semble avoir entre 1 et 2 ans et elle a été abandonnée à cet endroit. Le truc qui la frappe, c'est les sabots de la fillette. On n'est pas à la campagne, on est en ville. Et en ville, généralement, on ne porte pas de sabots. Elle fait le tour de son quartier afin de demander aux gens s'ils ont vu quelque chose, si cette fille leur appartient. Personne ne la connaît. Elle se rend alors au commissariat pour leur expliquer sa découverte. Là, les enquêteurs vérifient leur avis de disparition. Il n'y en a aucun, en fait, qui colle avec la description physique que la femme leur donne. Ils font une enquête de terrain. Ils frappent à la porte des gens dans le secteur de l'immeuble où était retrouvée cette fillette. Et là, on leur explique que quelques jours plus tôt, une femme très mal fagotée a été aperçue en train d'abandonner ce qui semblait être sa fille dans un magasin. Elle l'a finalement récupérée quand des gens l'ont hélée dans la rue pour lui dire « Madame, madame, vous avez oublié votre fille ». Donc elle a récupéré la petite et elle est partie. Mais impossible de savoir de qui il s'agit. Du coup, la petite fille est récupérée et elle est confiée aux bonnes sœurs en attendant qu'on puisse retrouver la trace de sa mère, de sa famille. Et les bonnes sœurs remarquent que la fillette ne parle pas ou ne semble pas très bien comprendre ce qu'on lui dit. Elle entend quand on lui parle, elle fait des mouvements de tête, ce qui signifie qu'elle n'est pas sourde, mais elle ne répond pas et elle n'a pas l'air de comprendre le français. C'était pas rare qu'à l'époque, jusqu'au milieu du XXe siècle, les gens ne parlent pas tous le français en France. En fonction des régions, certains parlaient uniquement leur patois régional. C'est d'ailleurs pour ça que la France avait mis en place plusieurs décrets visant à un nivellement linguistique à partir du XVIIIe siècle, le but étant que tout le monde parle la même langue. Mais ça a pris du temps forcément. Donc, à l'époque, certains ne parlaient que leur patois. Bref, des journalistes régionaux écrivent un article sur cet abandon et ils mettent la photo de la fillette. Et le journal circule tant et si bien que des voisins des Picards le leur rapportent. Et là, les Picards reconnaissent leur fille. Ils en sont tellement convaincus qu'ils prennent un train le 7 mai direction Cherbourg afin de rencontrer le juge d'instruction et de récupérer leur fille. Une fois à Cherbourg, donc on les emmène à l'hospice afin de pouvoir rencontrer la fillette. Et là, encore une fois, ils la reconnaissent. C'est bien leur Pauline. Et en fait, ils sont bouleversés, eux, parce qu'au départ, ils pensaient qu'il est arrivé quelque chose de très grave à leur fille. Et au final, tout va bien. Mais face à eux, la petite, elle a un comportement assez étonnant, à savoir qu'elle est sur la réserve. Elle va de temps à autre sourire à Monsieur Picard. Par contre, face à Madame Picard, elle est très craintive. Elle veut pas s'en approcher. C'est comme si elle ne reconnaissait pas ses parents. Et puis, elle ne parle toujours pas. Mais les Picards en sont persuadés. Il s'agit de leur Pauline. Le juge, quant à lui, il a quand même des réserves. Il veut être sûr qu'il s'agit bien de la petite Pauline Picard. Donc il demande à un médecin de l'examiner. Et le médecin explique que les changements physiques de la petite fille sont explicables. Il dit, dans la mesure où elle a subi un choc, un réel traumatisme, elle a été enlevée, ça peut expliquer les quelques changements physiques que l'on peut constater. Ok, elle n'a pas la même taille, elle a perdu une dizaine de centimètres, mais ça s'explique. Et il dit également que le fait qu'elle ne reconnaisse pas ses parents tout de suite et qu'elle ne parle pas, ça aussi c'est normal après un choc psychologique comme celui-ci. C'est une amnésie passagère, mais progressivement, tout rentrera dans l'ordre. Finalement, devant le rapport du médecin, le juge décide de confier l'enfant au Picard. Toutefois, il mandate deux religieuses infirmières. Pour quelques jours, il les envoie quelques jours chez les Picards pour s'assurer en fait que la petite fille s'acclimate bien à son environnement. Ils arrivent à Saint-Rivoil le 11 mai, mais la petite, elle parle toujours pas. Elle prononce deux ou trois mots en breton, sans plus. Mais tout le village la reconnaît, ses frères et sœurs la reconnaissent, c'est bien Pauline. Du côté de l'instruction, l'enquête est toujours en cours, que ce soit en Bretagne ou en Normandie, parce que on ne sait toujours pas qui a enlevé la petite Pauline Picard, et surtout, pourquoi on l'a enlevée. Certains émettent l'hypothèse que ça pourrait être lié à la sorcellerie. Elle aurait été kidnappée pour des rituels sataniques. D'autres, en revanche, disent non, rien à voir avec la sorcellerie, elle a été enlevée par des brigands qui voulaient la revendre à des gens plus riches, ou alors qui voulaient s'en servir pour la faire mendier. Et au milieu de toutes ces hypothèses, l'un des voisins des Picards va avoir un comportement
Très bizarre. C'est un certain monsieur Martin. Le jour où les Picards reviennent à Saint-Rivoil avec la fillette, ben en fait, monsieur Martin se présente à leur domicile et il demande à la voir. Il tombe sur madame Picard et lui dit « Est-ce que je peux voir la petite ?» Et là, elle lui dit « Oui, bien sûr, rentrez, voyez, on a retrouvé notre fille. » Enfin là, tout le monde est heureux. Quand monsieur Martin voit la fillette, il s'écrie « Dieu est juste, c'est moi le coupable » et il s'effondre. Quelques jours plus tard, il est interné en hôpital psychiatrique pour démence et cet événement est balayé d'un revers de main. Cet homme est fou, il a eu une bouffée délirante et c'est pas la première fois, ma foi. La petite fille, quant à elle, continue de faire le bonheur de sa famille, du village. Un médecin vient même la visiter le 21 mai afin de s'assurer qu'elle se porte bien. Et dans son rapport, il note qu'elle a l'air d'être en bonne santé. Certes, elle a des petits soubresauts par moments qu'il peut pas s'expliquer, mais elle se porte bien, elle mange, elle est en bonne santé, et il ajoute qu'elle a une petite tache rouge à l'arrière de l'oreille, comme Monsieur Picard. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on a encore une autre preuve qu'il s'agit bien de la petite Pauline Picard. Mais Madame Picard, elle, elle continue à avoir de toutes petites réserves. Elle sait pas se l'expliquer, hein. Cette petite, c'est vrai, elle est très mignonne, elle est blonde avec des yeux bleus, comme sa Pauline, elle a cette tache derrière l'oreille, comme Monsieur Picard. Tout le monde dit que c'est Pauline Picard, mais elle sait pas. Pauline, habituellement, elle est très attachée à elle. Pauline, elle est très débrouillarde, elle est dégourdie. Pauline, elle marche, elle court, elle est bavarde. Et là, non, sa Pauline d'aujourd'hui, elle prononce pas un mot et elle tient même pas debout. Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que elle lui ressemble beaucoup à Pauline. Tout le monde dit que c'est Pauline, c'est que ça doit être Pauline. Mais ses réserves sont confirmées 2 semaines plus tard, soit le 25 mai 1922, quand un paysan découvre à 1500 mètres de la ferme des Picards un petit cadavre en décomposition. Ce jour-là, le paysan est tombé sur un petit corps nu, décharné et décapité, et à proximité, une tête plus grosse, complètement décomposée. À côté du corps, des vêtements d'enfant sont soigneusement pliés. Il s'agit des mêmes vêtements que portait Pauline le jour de sa disparition. C'est Monsieur Picard hein, qui a été amené sur place afin d'identifier les vêtements et il les a formellement reconnus. Et là, c'est le choc. C'est le choc pour lui, c'est le choc pour sa famille, c'est le choc pour tout le village, puisque tout le monde pensait qu'il y avait eu un dénouement heureux suite à la disparition de Pauline. Et au final, non, la petite fille qu'ils ont sous leur toit depuis quelques semaines n'est pas leur fille. Et quelque part, eh bien, ça explique toutes les bizarreries suite à la découverte de cet enfant à Cherbourg, à savoir la taille qui ne correspondait pas, le fait qu'elle ne parle pas, qu'elle ne tienne pas debout, contrairement à la vraie Pauline Picard. Un premier médecin est envoyé sur place et il procède à une autopsie préliminaire. Et dans son rapport, il note plusieurs choses assez intéressantes. Le premier point, c'est que la robe de Pauline a été détachée manuellement, puisqu'il y avait des crochets à l'arrière. Ce qui signifie qu'elle n'a pas été arrachée par des animaux. Le second point, c'est que la tête retrouvée à proximité du corps semble bien trop grosse pour qu'il puisse s'agir d'une tête d'enfant. Alors, j'ai rien trouvé comme information concernant la dentition. J'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé si la dentition était une dentition d'adulte, une dentition d'enfant, ou si cette partie-là du crâne manquait. Il note également que le corps a été déchiqueté, ce qui semble indiquer qu'elle a été en partie dévorée par des bêtes sauvages. Toutefois, son torse et son estomac n'ont pas été dévorés. Il prélève les viscères, il les envoie en laboratoire, et sur la route, les viscères disparaissent sans autre explication. Quant à savoir si elle a subi une agression, on n'a aucune information sur ce point. Alors, soit les parties concernées étaient trop endommagées ou manquantes, auquel cas le médecin ne pouvait pas le vérifier, soit à l'époque, on ne faisait pas ce genre de vérification sur un enfant, je ne sais pas. À noter toutefois que le médecin qui fait cette autopsie préliminaire n'est pas médecin légiste. Hein. Lui, c'est uniquement un médecin classique qui a envoyé sur place pour une autopsie préliminaire en attendant l'arrivée des médecins légistes. Du coup, pour les enquêteurs, le scénario le plus probable, c'est que le 6 avril, Pauline s'est perdue dans la lande et qu'elle a ensuite été attaquée par des animaux sauvages. Mais face à ce scénario, on a deux problèmes. Le premier, c'est que l'endroit où a été retrouvée Pauline, il avait été fouillé par les gendarmes et par les villageois les jours qui ont suivi la disparition de Pauline. Le corps n'aurait pas pu être traîné par des animaux à cet endroit-là, sachant que tout le secteur a été ratissé. Donc ça paraît peu probable que les gens se voient passer à côté d'un corps en décomposition sans sentir l'odeur et qu'ils aient poursuivi leur chemin. Le deuxième problème, c'est que l'estomac et le torse de Pauline n'ont pas été dévorés. Or, c'est des endroits de choix pour des animaux sauvages,
quand ils attaquent. Ils auraient forcément mangé cette partie-là. Le 28 mai, une nouvelle autopsie est réalisée, mais cette fois par deux médecins légistes. Ils notent une fracture de l'os occipital, la partie basse du crâne qui a par ailleurs été vidée de la cervelle. Et dans leur rapport, ils vont pas mentionner la différence de taille entre la tête et le corps, comme l'avait fait le premier médecin. Pour eux, il n'y a pas de problème. Ils indiquent que le corps ne présente aucune trace de coup, ce qui a priori peut sembler étonnant à déterminer, puisque le corps a été en partie déchiqueté par des bêtes sauvages. Donc, en tout cas, eux notent qu'il n'y a pas de traces de coups. Et ils ne font mention d'aucune agression. Donc, conclusion, soit Pauline s'est perdue et elle a été mangée par des bêtes sauvages, soit elle est tombée et elle est décédée, toute nue. Le soir même, son corps est enterré. Mais les journalistes, comme les habitants, doutent de la version officielle. Un accident nu à un endroit fouillé pendant plusieurs jours par les gendarmes. Pour eux, la fillette a été assassinée et son corps a été déposé à cet endroit après les recherches. D'autant que deux cultivateurs affirment que le 26 mai, soit le lendemain de la découverte du corps, ils ont senti une odeur de décomposition dans un bois à plusieurs centaines de mètres de l'endroit où le corps a été découvert. Ce qui signifierait que le corps a effectivement été déplacé, donc il ne peut pas s'agir d'un accident. Mais pour le parquet, l'affaire est bouclée, circulée, il n'y a plus rien à voir. À la mi-juin 1922, convaincue qu'il ne peut pas s'agir de Pauline Picard, la petite inconnue est renvoyée à Cherbourg, à l'orphelinat. On garde l'espoir de pouvoir découvrir son identité. Et à partir de là, les rumeurs vont bon train. En fait, cette histoire, elle dépasse tellement l'entendement que tout le monde veut comprendre, mais surtout tout le monde a une opinion. Et on va beaucoup pointer du doigt Madame Picard en mettant en avant que comment cette mère de famille de 9 enfants a-t-elle pu confondre l'un de ses enfants? Comment a-t-elle pu penser que l'inconnu de Cherbourg était sa petite Pauline? Une mère de 9 enfants, quand même. Et certains vont même dire qu'en fait, Madame Picard avait vendu sa fille Pauline le 6 avril et qu'ensuite, elle avait fait semblant de reconnaître sa fille dans la petite inconnue de Cherbourg afin de masquer ce qu'elle avait fait. Bon, elle a toujours bien évidemment nié toutes ces accusations et même beaucoup d'habitants du village, du hameau où elle vit, ont toujours dit « mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est une mère extraordinaire, elle a toujours aimé chacun de ses enfants de la même façon, elle aurait été incapable de faire ça ». Et du côté de Cherbourg, on a de nouveau un rebondissement. On a une certaine Parisienne du nom de Madame Picard, qui n'a aucun lien de parenté avec la famille Picard de Bretagne, qui écrit au juge en charge de l'instruction sur l'abandon de la fillette pour lui dire qu'en fait, elle est persuadée qu'il s'agit de sa petite-fille Poupette. Elle s'appelle May, mais elle est surnommée Poupette. En gros, elle lui dit que sa fille, elle, est mariée avec un Britannique et qu'ensemble, ils ont eu cette petite May, Poupette, qu'ils lui ont confiée. Donc, c'est elle qui a élevé cette fillette jusqu'à ses 22 mois. Et en février, donc quelques mois plus tôt, sa fille est venue récupérer Poupette chez elle, en lui disant que elle et son mari avaient décidé de partir vivre en Grande-Bretagne afin de s'établir, d'avoir une situation, puisqu'en France, ils ne parvenaient pas en fait à gagner leur vie convenablement. Donc le gendre de Madame Picard avait dit « Écoutez, moi je vais emmener toute ma famille en Grande-Bretagne, donc on va récupérer notre fille quoi, pour l'emmener avec nous. » Et Madame Picard, elle explique au juge qu'elle s'inquiète fortement, puisque sa fille, qui était enceinte de son second enfant quand elle a récupéré Poupette chez elle, avait de gros soucis de santé et elle pense qu'en fait sa fille est décédée et que son mari, donc son gendre, le Britannique, a abandonné la petite Poupette à Cherbourg afin de pouvoir se rendre en Nouvelle-Zélande pour y refaire sa vie. Donc là, pour le juge, c'est une affaire un peu complexe. Hein. Une Madame Picard qui n'a aucun lien de parenté avec la Madame Picard de Bretagne qui lui dit « Non, en fait, cet enfant, c'est ma petite fille, c'est la fille de ma fille qui est certainement morte. Mon gendre a certainement abandonné Poupette pour partir en Nouvelle-Zélande. » Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et Madame Picard, elle lui dit « Écoutez, moi, je suis sûre que c'est ma petite fille. » Donc elle lui décrit les grains de beauté qu'elle a sur l'ensemble de son corps. Dans le doute, le juge, il demande à faire examiner l'enfant. Mais aucun des grains de beauté que Madame Picard lui décrit. Mais elle est tellement convaincue qu'il s'agit de sa petite fille qu'elle fait le déplacement Paris-Cherbourg le 19 juin pour rencontrer celle qu'elle pense être sa petite fille. Sur place, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas de Poupette. Les semaines et les mois passent sans que personne ne réclame la petite inconnue de Cherbourg, sans que personne ne dévoile son identité. C'est pourquoi le 23 juin 1923, soit un an après son retour à Cherbourg, elle obtient un état civil et devient Marie-Louise Marcel Pauline. Quelques mois plus tard, en janvier 1924, Marie-Louise Marcel Pauline, des suites de la rougeole à l'hospice de Cherbourg. À ce jour,
Le mystère n'a toujours pas été percé sur l'identité de la petite inconnue de Cherbourg et le véritable sort de Pauline Picard, retrouvée massacrée dans la lande bretonne. Mais écoutez, cette histoire, elle est complètement folle. Hein. Je ne sais pas si vous, elle vous a autant intéressé que moi. Pour ma part, je pense que la petite Pauline, elle a été enlevée et assassinée. Je pense qu'on lui a fait du mal, qu'on a abusé d'elle. La preuve en est la façon dont on a retrouvé ses vêtements. Ils ont été enlevés par quelqu'un. Ça peut être que par la personne qui lui a fait du mal. Un sanglier ou un renard ne déboutonne pas une robe, n'est-ce pas? On n'est pas dans un Walt Disney. Donc je pense vraiment que c'est quelqu'un qui lui a fait quelque chose. Maintenant, ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est la tête, parce qu'elle était beaucoup trop grosse pour son corps. Alors, je sais que, pour l'avoir vu de mes propres yeux, parfois, certains enfants, vers l'âge de 1-2 ans, ont une tête un peu plus volumineuse, et ensuite, tout s'harmonise avec les années, de ce que j'en ai vu en tout cas. Est-ce que ça pourrait être une explication? Bon, je sais pas. C'est quand même un médecin qui a fait remarquer que la tête était beaucoup trop grosse par rapport au corps. Donc c'est vrai que ça me paraît fou, ce qui signifierait en fait qu'il y a eu deux corps et on a retrouvé la tête d'un corps et le tronc de la petite Pauline Picard. Ouais, cette histoire, elle est complètement folle. Pour la petite inconnue de Cherbourg, je pense que comme beaucoup d'enfants, malheureusement, elle a été abandonnée par sa véritable mère. Peut-être qu'elle venait d'une région où on parlait uniquement le patois. Ce qui expliquerait pourquoi elle ne parlait pas et qu'elle ne semblait pas comprendre ce qu'on lui disait. Ou peut-être tout simplement qu'elle était beaucoup trop jeune pour pouvoir parler. Peut-être qu'elle avait à peine un an et quelques. Donc, ce qui serait une explication. Mais écoutez, du reste, n'hésitez pas à mettre en barre des commentaires, vous, ce que vous en avez pensé. Si vous connaissiez déjà cette histoire, ce que vous en avez pensé, d'après vous, qu'est-il arrivé à la petite Pauline? Est-ce que la tête retrouvée à ses côtés était la sienne ou non? D'après vous, qui est la petite inconnue de Cherbourg? Certains émettent également l'hypothèse qu'en fait, la petite inconnue de Cherbourg serait vraiment la petite Pauline Picard. Parce que, comme ses parents l'ont reconnu, chacun aime à dire que quand notre enfant a été enlevé, je pense qu'on n'a pas vraiment les idées claires et que moi, ça ne me paraît pas étonnant que ses parents l'aient reconnu en fait du premier coup. Ça ne me paraît pas non plus étonnant que tout le village l'ait reconnu du premier coup. Je veux dire, un enfant entre 1 et 2 ans, d'un enfant à l'autre, je ne dirais pas qu'ils se ressemblent tous, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc en plus de ça, s'ils ont les mêmes caractéristiques ethniques, on peut vite s'y perdre. Donc, et puis peut-être aussi qu'il y avait, vous savez, le côté « on veut un heureux dénouement, on veut quelque chose... qui puisse rendre le sourire à Madame Picard, qui en a beaucoup, beaucoup souffert de cette perte. Son mari aussi, mais c'est vrai qu'elle en a énormément, énormément souffert, d'autant qu'elle a eu des accusations contre elle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu triste quand même, mais je pense que ça s'explique, qu'ils aient reconnu cet enfant alors que ce n'était pas la véritable Pauline. Moi, je me l'explique et je pense que c'est possible. Voilà. Donc vous faites-moi savoir en barre des commentaires ce que vous en pensez. Et puis, ma foi, si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.